Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la suite de Suikoden. Donc là, il nous avait dit, Victor, de recruter des compagnons, ou flics, je sais plus. Je crois que c'était Victor qu'on avait dit. Et ce qu'il faut faire, bah, c'est qu'il faut justement recruter quelques-uns pour faire avancer l'histoire. Donc en voilà un. Attendez. Ah, c'est là. Ça, c'est un des compagnons. Excellent. On pourrait prendre ça, hein, absolument. Ça coûte cher, vous allez voir. C'est le seul moyen d'avoir le perso. Donc on n'est pas obligé de le recruter maintenant, on peut le recruter plus tard. Hein. Mais bon, plus on le recrute tôt, mieux c'est. Et voilà. Premier perso vraiment recruté. Parce que les autres c'était un peu obligatoire. Ça me fait un nouveau guerrier. Donc maintenant, il faut faire autre chose. Donc voilà, lui c'est un des persos recrutés, il y en a d'autres. Le qui. Est-ce qu'elle est pas là par exemple? Non. Yamili, la petite fille qu'on voyait là tout à l'heure. Je sais pas où elle est, se fourrer encore. Se fourrer, je dis, hein. Pas sûr, quoi. Donc, ouais, peut-être chez le forgeron, je sais pas. Normalement, elle est dehors. Putain. Bizarre. Il faut quitter et revenir, je sais pas. Bon. Ça arrive que je tourne en rond, je vous l'avoue. Ah bah là voilà. Eh oh. Eh. Voilà, et elle. Elle attaque à distance, il me semble. Ouais, elle, voilà, c'est ça. Tant qu'à faire. Oh non, bah on pourra pas. Ouais, cherche un Bonaparte. Ouais. Non, bon, on va y aller direct. Là. Ah merde, putain. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est prendre l'autre perso d'abord, mais. Bon, tant pis, on va le faire avec 4 persos. Je vous le dis, hein, on n'est pas obligé de le faire dans ce ordre-là, les personnes, on peut la recruter dans un ordre différent. Sauf que... Sauf qu'on est obligé d'en recruter quelques-uns pour faire avancer le défi. Putain, trop bien ça. Alors... Je vais pas de faire auto. Attaque de 2 ennemis d'un coup. Si ça, c'est pas une hyperactive. Voilà, à mon avis, je vais bien monter de niveau parce que c'est bien résistant. Des gros dégâts, donc à mon avis, ils ont un bon niveau par rapport à moi. Ouais, Millie, elle a un bon moment. Voilà.
Et alors cette attaque elle est marrante parce qu'elle a plusieurs versions. Des fois tu la vois en train de manger ou je sais plus quoi. C'est n'importe quoi. Donc. Voilà Bonaparte. Attends, je vais quand même regarder ce qu'il y a à gauche. Je sais que je suis trop curieux, mais on sait jamais. Ah bah oui. Oiseau que tu vas en mettre dans son nid. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a en haut. Bon, allez, je vais voir à tout hasard. Je sais que je perds souvent du temps en faisant ça, mais... Quand je dis que c'est une attaque vraiment cheatée, c'est pas pour déconner. Hein. Ah bah, ça valait le coup. De cuir. Gauntlet, vous voyez, c'est à moitié traduit, je sais bien. Ouais. Oh non, non. C'est quoi, je me trompe de bouton. Non, c'est lui qui est devant. Voilà. Il y a deux paires de bottes. C'est vrai que quand on fait auto, on fait vraiment des dégâts de merde à côté d'Android. Voilà, ça. Ouais, il y a des persos qui prennent deux places aussi. Enfin, c'est pas vraiment des humains, donc... Je vais pas vous spoiler. Mais... il y a des persos qui prennent... Ouais, des persos qui prennent plusieurs places dans l'équipe. Du coup, on peut encore en mettre 6. Ils en prennent que 2. Hein. Il n'y a pas de perso qui prend 6 places, c'est comme ça. Donc... Là, il y a quoi? Oula. Non, je crois pas qu'il faille aller par là. Cause des... Putain, on arrive à faire à chaque fois, putain. D'habitude, j'ai jamais de peau. C'est quoi cet endroit, genre... Oula, ouais, ouais. Ça, c'est pour recruter un perso aussi, plus tard. Oula, attends, attends, non, non, je dis des conneries. Hein. Je confonds avec Suikoden sur Chris. Ouais. C'est un Suikoden sur DS, vous en avez pas parlé, d'ailleurs. En fait, ouais, il y a 5 Suikoden, mais il y a aussi Suikoden Tactics, que j'ai jamais testé. Je sais pas du tout ce qu'il veut. Apparemment, il sera pas trop mal, mais pas exceptionnel. Le Suikoden Tier Crash, donc c'est un Suikoden sur DS. Bon, une adaptation pas mal réussie, hein, quand même. Même s'il vaut pas du tout les épisodes console, de salon. Franchement, c'est un des meilleurs RPG sur DS. Il y a encore les 108 persos, mais ils ont enlevé des trucs, c'est dommage. Mais sinon, ouais, l'histoire est pas mal. Je pense que c'est du bon. Si vous avez une DS, vous savez pas quoi prendre comme RPG. Heureusement que j'ai dit que je parlerai pas des autres trucs d'elle. Même à parler de ceux qui sont même pas sur la... Enfin, pas vraiment partie de la série, maintenant. On va faire que fuir, parce que... Faut quand même que j'aille voir Bonaparte. Parce que sans lui, la bataille de Waterloo... Elle vaut plus rien. Est-ce qu'on peut m'enfuir comme dernier? Ouais. Putain, mais c'est trop bien! C'est vrai que là, à ce niveau-là, c'est bien quoi. Tu as vu un gros minet? Tant qu'on aura le temps de placer cette attaque avant que les ennemis attaquent, c'est bon. Bon, j'ai perdu pas mal de temps, mais j'ai récupéré des objets.
Puis comme ça, je vais montrer la forêt au cas où vous poseriez la question. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, quoi. Alors. Il y a quand même beaucoup plus de vie que les autres. Hein. Alors. Voilà notre bon appart. Vous allez voir le truc de malade. C'est un boss. Voilà un drôle d'animal de compagnie. Que je fais, mais... je suis encore... Hein? Ah ouais, d'accord. Je viens de comprendre. C'est large quand même quand ils sont... Bon, c'est pas logique, mais c'est bien. Même quand ils sont... pardon. Assommés, ils peuvent... Je suis certain qu'il y avait des conneries dans cette tête. Oui, c'est assez simple pour l'instant. Je sais pas si elle vaut vraiment un coup cette attaque ou l'attaquer. Moi c'est pas la peine. C'est pour ça que je voulais obtenir l'autre perso avant, mais bon. Enfin, c'est Kimaru, je voulais aller le chercher au QG parce que ça aurait été utile. En fait, c'était une perte de temps, non. Un boss qu'on peut assommer. On voit trop qu'il va la mordre par derrière. Voilà, encore un perso de plus. On va enquêter vite fait la forêt. Bon, en fait, c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire ça d'abord, ensuite continuer à revisiter la forêt et utiliser un talisman à la fin. Enfin, bref. Là, on est prêt, donc je vais pas gâcher un talisman des avions. Hein. Voilà. Et là, on peut encore recruter. Il nous reste un peu de temps. On va aller dans une autre ville. Il me semble qu'il y avait un chemin là. On passe par là, lui. Les ennemis de la carte, ça. Ils sont un peu minables. Ils peuvent chercher à les combattre. Alors, attendez. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est bien le village que je pense, Toto? Elle est bien la musique d'ailleurs.
Il l'embobine, quoi. Un peu un but de lui-même, mais bon. Et voilà. Avec un ami, on peut manipuler les gens. Et toujours une équipe. Ah, t'as vu? C'est 50 potches. Putain, ça fait quand même pas mal de temps, je vois. Ah ouais, 2h53. Non, 53 secondes, ok. 2h. 50 patchs par personne, du coup ça fait. On paye pas pour le total là, c'est logique. Plus il y a de perso, plus on paye. Il me semble. Je sens que je vais faire des vidéos spéciales parce que déjà il y a 4 fins. Enfin, une fausse fin et 3 vraies fins. Enfin, pas fausse, mais comment dire. Une fin pourrie, quoi. Puis il y aura plein d'objets à récupérer, vous verrez. Il y a des légumes, des animaux et tout à récupérer. Enfin, des graines, pas des légumes directement. Merde, comment on fait, mais... Ah voilà. Donc je ferai des vidéos spéciales pour ça, je pense. Enfin, de toute façon, c'est pas pour demain. Ça va être dans très longtemps quand j'aurai fini. Ah, donc celle qui l'a recueilli, c'est la fille dont il parlait. Mr. Freeze. Je suis un Yeti. Mangeur de glace mince. Et toi, quoi tu veux? Sympa, hein. Max. Vous avez vu quand même, ce jeu il est sentimental et tout. Il nous entraîne dans une aventure de fou quand même.
Enfin, si vous le connaissez, vous serez d'accord. Si vous ne connaissez pas, regardez la suite. C'est pas beaucoup hein, pour le vu combien on en a, t'as tout voilà. Donc voilà, parti pour acheter une amulette pour le père de Pilker. Et ça sera à la prochaine vidéo, puisque j'essaie de faire des vidéos pas trop longues, sinon voilà. Quoique je sais pas en fait. Si, allez. Non, c'est con que je dis ça parce que vous voyez bien que c'est la fin. Bon, bah. Ah, vous avez vu la petite animation hein, si on ne joue pas pendant quelques secondes. Bon, bah, à la prochaine. Et buvez Coca-Cola. Salut!